vite ces compétitions. Elle est magnifique, elle est superbe. Superbe réalisation de Formio. Et nous continuons avec cette voiture tout à fait extraordinaire, qui est la Ferrari Manzani, la Vulca. Ah oui, c'est vrai que c'est tout feu, tout flamme. C'est discret comme une italienne. Elle est superbe. Alors ça, c'est une Weissmann, avec un moteur... ici. Regardez comme elle est belle. Voilà, la Weissmann, c'est allemand. C'est discret, c'est superbe. Voilà, c'est magnifique. Mais celle-là, vous pouvez l'acheter, hein, y a pas de problème. Elle est beaucoup moins chère que les autres. Hein. Oui, je pense. Ah ouais. Donc quand je vous parlais tout à l'heure, la Zenvo, 15 exemplaires seulement. Je dis donc, regardez le volant, regardez les jantes. C'est une voiture hollandaise. Please, just a moment. Et voilà, pour nos amis hollandais. Regardez les roues. Regardez les roues. C'est issu de la technique d'aviation. Regardez l'emblème Spiker à l'arrière de la voiture. C'est une hélice d'avion. Et celles-ci sont un peu plus modernes, je dirais. Mais les premières étaient vraiment en technique aluminium aviation. C'est une voiture, d'ailleurs, on voit. Ne riez pas, ce sont des automobiles. Vous pouvez aller faire votre marché avec. Il n'y a pas de problème, c'est la Caparo. Vous pouvez emmener votre femme, vous ne la voyez pas, c'est génial. Ça, c'est bien. Et puis, regardez l'autre, c'est pareil. C'est la Tramontana, avec un moteur V12. Vous mettez la belle-mère derrière, vous êtes tranquille. Et faites un tour, en général, quand vous arrivez à la Clemcée. La Kempert, elle s'appelle Apollo. Ça va être grand, elle a vraiment l'allure d'une fusée. Please, stop, open your door, please. Please, stop. Enfoiré. Il comprend pas le français de toute façon. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que je dis? Vous allez les faire une ovation à cette voiture incroyable. C'est une voiture française, moteur V8, 650 chevaux. Elle est extraordinaire, la Citroën GT. Vous allez pouvoir l'admirer. On va l'arrêter, j'espère, un moment, là, quand même, pour qu'il ouvre ses portes. On va la faire venir devant le podium, s'il vous plaît. On va la faire venir devant le podium. Voilà. Un please, un panier d'or. Please, un panier de tout d'or, please. Et les capots, s'il vous plaît. Le capot, on peut pas. C'est secret. On lui fait une ovation sur la voiture française. La fantastique Citroën. La supercar. Extraordinaire voiture. Tout droit sortie d'un film de science-fiction. Bravo aux ingénieurs. Bravo aux concepteurs des Citroën. Coup de chapeau. Superbe image. Superbe vitrine pour la marque au chevron. En tout cas, ne pouvait évidemment pas être absente de cette parade des pilotes de 24 heures du Mans. Vous allez avoir des millions de photos. Des millions de films, quelle belle série d'images et quelle belle vitrine pour Citroën. Merci à vous. Et maintenant, nous passons aux voitures électriques. Et c'est des voitures fantastiques. Les voitures électriques, vous êtes en panne. Bon. Regardez, c'est une voiture électrique. Elle est ridicule, elle ne fait pas de bruit. Ridicule, hein, c'est terrible. Hein. Oh, elle est belle en plus, ils en ont fait une belle voiture, on l'applaudit. Elle est magnifique cette voiture, elle est superbe, fait 268 chevaux, deux ingénieurs français qui travaillent aux États-Unis, dans la Silicon Valley, aux États-Unis, elle est vendue aux États-Unis cette voiture, elle va venir en France, j'espère bientôt, c'est une voiture électrique, c'est, on dirait une Lotus, c'est un petit peu évidemment la même famille que du Lotus. Mais elle ne fait aucun bruit, ce qui évidemment est d'une tristesse éblouissante.